Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Zenith TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes en mars, c'est le mois de la femme. Le droit des femmes, on n'en parle pas souvent. Mais aujourd'hui, on a une femme d'exception, une élite de notre pays, la République du Congo, qu'on retrouve ici, au plein centre de Paris, dans la maison des initiatives des étudiants. Et vous serez surpris de ce profil qui est, on va dire, extraordinaire, de cette dame dont on parle souvent, mais dont on parle peu, de ce parcours difficile. Avec moi, le professeur Francine Toumi. Bonjour, professeur. Bonjour, la marquise. Merci de me recevoir ici, dans cette maison des initiatives des étudiants. C'est un honneur pour moi et surtout pour toute la chaîne Zena TV. C'est une première de vous recevoir sur notre plateau. Et j'ai presque envie de dire, vous nous faites honneur en ce mois de la femme. C'est un plaisir pour moi d'être à Zena TV, que je regarde très régulièrement. Merci pour l'invitation. Merci, professeur. Alors, beaucoup de prix à votre actif. Alors, comment vous regardez tout ce parcours aujourd'hui d'enfants du pays? Alors, les prix sont un plaisir, sont une reconnaissance, mais sont surtout le fruit de beaucoup de travail derrière. Donc, je regarde les prix, je considère les prix comme des respirations dans ce parcours, justement, difficile, dans nos pays encore, avec parcours d'un scientifique. Alors, parcours d'un scientifique, moi, je vais m'arrêter à votre dernière récompense, avril 2022. Est-ce que ça vous dit quelque chose, professeur? Ça doit être la médaille allemande, non? La médaille allemande. Alors, quelles sont vos relations avec l'Allemagne? Moi, j'étais surprise, je me suis dit en 2022. Non, pourquoi l'Allemagne? Parce que j'ai passé plusieurs années, et je suis encore donc à l'université de Tübingen, l'Institut de médecine tropicale, où actuellement donc, je suis professeure d'épidémiologie moléculaire des maladies infectieuses, et que surtout ma relation avec l'Allemagne a commencé en 2000, et cet institut m'a accompagnée dans mon développement personnel, professionnel, dans mon désir de rentrer au Congo, et m'a appuyée, et continue à m'appuyer par exemple pour l'acquisition de réactifs, pour la formation de mes étudiants et puis aussi pour ma carrière personnelle, puisque j'ai pu avoir le grade de professeur dans cette université. Donc, des promotions personnelles. Mais le plus important, c'est que cet institut, ce pays m'a aidé à renforcer les capacités de la recherche au Congo. Alors, j'ai presque envie de vous dire, on vous perd un peu. Parce qu'eux, ils vous récupèrent. Oui, c'est vrai. Et que, justement, après, au cours de mon parcours, j'ai quitté l'Allemagne pendant plusieurs années. Je suis allée à La Haye, en Tanzanie, et je suis rentrée au Congo. Mais quand vous avez une institution et des leaders qui ont une vision et qui sentent que vous pouvez, ils ont besoin de vous pour avancer dans une certaine direction. Je travaille sur les maladies infectieuses, et en particulier les maladies tropicales. Et ces parasites, ces virus, ces bactéries se trouvent dans les tropiques. Donc, ils ont besoin de gens qui viennent et qui travaillent dans ces régions. Et quand ils sont séduits par la volonté, ils accompagnent. Il n'y a pas de plafond de verre. Malheureusement, dans beaucoup de pays, il y a ce plafond de verre, et là-bas, je n'ai pas eu ça. Mon patron ne m'a jamais considéré comme en compétition avec lui. Bien au contraire, il est toujours extrêmement fier de ce que je fais. Et quand j'ai quitté l'institut pendant ces années, vous savez quelle était sa phrase ? Francine, tu es à la maison ici. Quand tu voudras revenir, voilà, la porte te sera et reste ouverte pour toi. Et donc, quand on vous dit ça, ça vous donne de l'énergie et c'est un soutien vraiment très important. Voilà, c'est ce que j'ai rencontré avec l'Allemagne. C'est un pays d'ailleurs que j'aime beaucoup, où je m'y sens vraiment très bien. Alors, un parcours des lettres de noblesse. J'ai juste une question, professeur. Est-ce que la science était inscrite dans votre ADN? Est-ce que la science est inscrite dans mon ADN? Non. J'ai choisi les sciences, vous savez pourquoi? Parce que j'aime les énigmes. Je ne voulais pas être médecin. La science, la recherche permet de se poser des questions et de chercher quoi?
de chercher un coupable, et le coupable de maladies très dangereuses comme le paludisme et autres. Et le coupable est un virus, une bactérie ou un parasite. Et ce sont des coupables extrêmement malins. Pour les attraper, c'est très difficile. Et cela m'excite beaucoup, d'autant plus que pendant toute ma vie, j'ai toujours été passionnée par les romans policiers. Donc pour moi, c'était la suite logique de continuer et de devenir détective moi-même pour essayer de traquer ces ennemis, ces coupables qui se cachent très très bien. Alors, la traque aux coupables, avant de poursuivre, professeur, aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec les étudiants de Paris, de l'association AECF, on reviendra. J'ai presque envie de dire, étudiants, on a tous été sur le banc ici de la fac en France, mais la question de rentrée se pose souvent. Aujourd'hui, en tant que femme de science, est-ce que nous avons notre place au Congo? Bien sûr, ma réponse est celle-là. Bien sûr que les femmes de science, les femmes congolaises, les femmes africaines formées en Europe, en France, ont leur place. Nos pays sont à construire encore. Qui va construire? Ce sont nos jeunes, ce sont ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur. Je considère, voyez-vous, ceux qui sont à l'extérieur, pour moi, comme des soldats qui sont allés apprendre. Ils vont apprendre des bases, voir où en est la connaissance, parce que tous ces jeunes ne partent pas pour s'amuser, pour faire du tourisme. Tous ces gens vont pour apprendre quelque chose, pour acquérir de la connaissance. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la connaissance que l'on a acquise? On peut l'utiliser en restant en Europe, aux États-Unis, au Japon, et puis la mettre au service de ces pays. Ou alors, on peut se dire, OK, maintenant, je rentre pour la mettre au service de mon pays. Ou encore, l'autre possibilité, c'est comme tout soldat, c'est être à l'extérieur et apporter, faire un pont avec le pays. Donc, tout le monde a sa place. On doit tenir compte de sa connaissance, de son environnement, de sa famille, parce qu'on a tous des parcours familiaux différents. Il y a des personnes qui établissent leur vie de famille dans le Nord. Bah, ils doivent en tenir compte et il faut trouver le mécanisme pour pouvoir apporter sa contribution au pays. Donc tout le monde a complètement sa place. Professeur, est-ce qu'il ne manque pas des mécanismes d'accompagnement, d'accueil? Parce qu'aujourd'hui, on se dit, je suis diplômé, jeune diplômé, je veux rentrer travailler. Mais j'atterris où? Quel labo? Quelles sont les conditions? Je suis tout à fait d'accord. Il y a eu un grand gap. Vous savez, la Chine s'est développée. Quand vous allez aux États-Unis, les grands laboratoires, les laboratoires les plus importants, vous allez trouver, ce ne sont pas des Américains, vous allez voir dans les laboratoires, ce sont visiblement des Asiatiques ou des Africains. Donc, mais les pays asiatiques, qu'est-ce qu'ont-ils fait? Ils ont fait des packages pour attirer ces brillants scientifiques dans leur pays pour aller beaucoup plus vite dans la science, dans le développement de leur pays. Ben, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait faire des packages attractifs pour que ceux qui sont dans la diaspora, qui sont brillants, qui sont reconnus pour leurs compétences, pour qu'on puisse les utiliser à bon escient dans notre pays, dans nos pays. Malheureusement, ce n'est pas ce que l'on fait. Et effectivement, c'est décourageant parce que quelquefois, on investit pour former des gens à l'extérieur qui sont bons et qui sont récupérés par l'extérieur et nous-mêmes. Et donc, c'est un éternel recommencement. Il faudrait effectivement avoir ce package attractif, mais en plus, ou plutôt dans le même moment, développer l'infrastructure pour que ça fait partie du package pour que ces jeunes aient envie de venir travailler dans ces structures puisqu'ils ont appris, ils ont acquis des connaissances de pointe. Donc, évidemment qu'il ne s'agit pas de les faire redescendre. Donc, c'est un drame, absolument. La politique d'attractivité de la matière grise est complètement déficiente et
Tant que l'on n'aura pas remis cela en ordre, ce sera difficile. En anglais, on dit leapfrogging, c'est-à-dire que on a un gap, les autres sont en avance, on est en arrière, mais en profitant de gens extrêmement bien formés, on fera ce saut et on rattrapera facilement notre retard. Mais il faut avoir cette stratégie. C'est une stratégie ambitieuse qui doit venir du leadership avec une vision à long terme en se disant, OK, ma diaspora, quelles sont les compétences de ma diaspora? Je la récupère et puis on va arriver à tel niveau. Professeur, est-ce que vous avez déjà rencontré les scientifiques de la diaspora? Non, malheureusement, non. Non. Quand je voyage, je rencontre des scientifiques africains, oui, de la diaspora congolaise spécifiquement, non, mais des scientifiques africains, oui. Au cours de mes différents voyages, il m'arrive évidemment d'échanger avec eux et je vois la différence entre certains pays comme le Sénégal ou le Rwanda. Bon, je vois complètement la différence de. Voilà, d'approche de la politique de retour de ces compétences dans leurs pays respectifs. Professeur, je vous suis beaucoup sur les réseaux sociaux et je vois vous passer un peu, vous voyez plusieurs, vous rencontrez plusieurs femmes. Récemment, vous avez rencontré des femmes journalistes du média Télé-Kativi. Quand les femmes vous voient, qu'est-ce qu'elles vous posent comme question? Alors, les femmes me demandent généralement. Les sciences, mon domaine est un domaine dominé par les hommes, où la représentativité des femmes est faible. Donc, elles me demandent souvent comment je m'impose dans un environnement pareil. Et je leur explique que je m'impose tout simplement par le travail. Voilà, c'est la première arme. Et puis, après, la seconde arme, c'est défendre ses idées, le travail, défendre ses idées. Et puis vient la reconnaissance après. Mais le travail d'abord, c'est la première arme. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous allons vers une féminisation de la profession au niveau de la recherche scientifique? Ou est-ce que c'est encore un milieu totalement fermé? Vous sentez qu'il y a plus de femmes dans la recherche? Ou ça ne bouge pas depuis quelques années? On a une pyramide. Les femmes sont là, mais on a là une pyramide qu'il faudrait renverser, à savoir les femmes sont nombreuses en bas de cette pyramide. Donc, et puis plus on monte dans les responsabilités, dans les chefs de laboratoire, dans les recteurs d'université, s'il s'agit de milieux académiques, elles sont de moins en moins présentes. Donc il faut que cette pyramide soit, elle change de forme, mais voilà, où il faudrait la renverser. Pour cela, il faudrait des politiques encore là aussi d'accompagnement, parce que dans les sciences, la science va très vite. Lorsque l'on s'arrête 6 mois, 1 an, on est vite à la traîne. Et vous voyez où je veux en venir, les femmes ont leur rôle de maternité, de mère, ce qui veut dire que, aussi brillantes soient-elles, elles doivent s'arrêter et cet arrêt peut être pénalisant dans leur carrière. C'est un facteur discriminant, du coup. Bon, discriminant dans les promotions, puisque le temps où elle s'est arrêtée, elle n'a pas produit, elle n'a pas publié ou elle n'a pas eu de résultats. Et pendant ce temps-là, les collègues masculins travaillent, avancent. Donc, il faudrait, dans les politiques d'accompagnement, que le fait de s'arrêter ne soit pas un point négatif, mais soit des points positifs. Il y a des institutions comme l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, ici en France, par exemple, qui, dans sa politique de promotion des scientifiques, tient compte, a mis en place des scores pour ne pas pénaliser les femmes. Donc cela doit être plus étendu en Afrique en particulier. On doit accompagner les filles, les jeunes femmes qui sont enceintes, les crèches. Voilà, il y a plusieurs des bourses spécifiques de façon qu'elles ne puissent pas, le fait d'être mère ne soit pas un handicap pour leur carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, en ce mois de la femme, professeur, vous réussissez à faire passer ce message au niveau du ministère de la recherche scientifique, notamment en termes de parité, de quotas, de salaire
aussi, on en parle peu, c'est assez tabou. On se dit, la recherche demande beaucoup, on travaille énormément. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui de la recherche? Je ne parle pas de votre cas, professeur. Je parle de celles qui sont nombreuses derrière vous, qui attendent de passer à la marche un peu plus haute. Je vous répondrai différemment. Est-ce que vous pensez que la recherche est attractive même pour les hommes dans nos pays, au Congo? La recherche n'est pas attractive du tout. Sans laboratoire, des salaires de misère, ce n'est pas attractif, évidemment. Il faut, à moins d'être enseignant-chercheur, mais la recherche n'est pas du tout encouragée. Ce n'est pas attractif. Donc, il faut pour la rendre attractive, il faut avoir de l'infrastructure. C'est ce que nous avons à la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Ensuite, il faut des salaires compétitifs pour que les scientifiques puissent travailler et ne pas donner une image misérable. Comment voulez-vous que des jeunes aient envie d'être scientifiques quand on voit que le scientifique a l'air misérable? Donc, cette image doit changer. Et c'est ce que, à la Fondation congolaise pour la recherche médicale, nous essayons de faire et que nous faisons, et en mettant beaucoup de visibilité sur nos scientifiques pour pouvoir montrer que faire de la recherche peut être et d'abord une passion, mais aussi est un métier valorisant. C'est très important. Professeur, faire de la recherche, ça demande beaucoup de fonds, animalerie, réactifs. Comment aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, vous tirez votre épingle du jeu? Avons-nous des animaleries au Congo pour faire des essais? Oui, il y a des animaleries à l'université Marien-Nguabi. Mais avoir des animaleries ne suffit pas. Il faut avoir des questions scientifiques pertinentes et puis mettre tous les moyens pour répondre à cette question scientifique. Les moyens. Ensuite, il faut montrer, apprendre aux scientifiques à chercher des financements. Je dis toujours, j'ai appris à chercher des financements. Et c'est aussi un des points qui font que l'université de Tübingen me soutient beaucoup, c'est que c'est ma capacité à chercher des financements avec succès. Parce que tous les scientifiques du monde, incluant le monde occidental, dans leur job description, ils doivent être capables d'aller chercher des financements. Même les instituts américains qui ont des financements colossaux doivent aussi continuer à chercher des financements ailleurs, dans le secteur privé, par exemple. Donc, ça fait partie de notre job. Et pourquoi dans nos pays, pourquoi au Congo, les scientifiques congolais pensent que il faut tout attendre du gouvernement? Ça, c'est une grosse interrogation. Premier point, déjà un gouvernement qui considère la recherche comme inintéressante, alors que nous avons été formés dans le Nord comme nos collègues occidentaux, pourquoi de retour au Congo, on ne veut plus apprendre, on ne veut plus chercher de financement? Ça, pour moi, ça, c'est une question qui. Voilà. Que je ne comprends pas. Ce qui veut dire que moi, au Congo, la fondation fonctionne parce que je vais chercher ces subventions. Le grand malheur, je vous dirais, c'est lequel? C'est que ces subventions viennent essentiellement du Nord. Ça, c'est un drame. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas indépendant. Ça veut dire qu'on parle aujourd'hui d'émergence, on parle d'indépendance. Ce n'est pas vrai. Si ma recherche est financée par le Nord, ça veut dire que je ne pose peut-être pas les questions relevantes pour mon pays. Or, il y a des questions de recherche, de développement qui sont spécifiques à mon pays et auxquelles je devrais répondre. Mais si je n'ai pas les financements pour cela, je ne vais pas attendre la France pour me donner de l'argent spécifiquement pour répondre à des questions de mon pays. C'est à mon pays de me donner ces moyens-là. Donc, ce qui veut dire que tant que nos financements ne viendront que du Nord, les scientifiques africains ou congolais, parce que suivant les pays, il y a des pays qui mettent le 2% de leur budget dans la recherche, et c'est ce qu'il faut. Tant qu'on ne fera pas cela,
On ne sera pas indépendant. On a quel pourcentage, nous, le Congo, professeur? 0,0001. Voilà. Vous êtes une entreprise, une institution ou une association? Vous êtes implanté en France et vous souhaitez envoyer vos marchandises, colis ou courriers vers le Congo-Brazzaville et Pointe-Noire? Cela est possible grâce à Africanam Export. Avec Africanam Export, faites le choix de l'efficacité et de la confiance. Nous vous assurons un service de qualité, des délais raisonnables, une équipe bienveillante, des prix accessibles, des envois par bateau ou par avion selon votre choix. Pour en savoir plus, visitez notre site web au www.africanam-export.com ou contactez-nous par appel direct ou sur WhatsApp au 06 35 13 45 27. 06 35 13 45 27 du lundi au samedi de 9h à 19h. Le fameux 0,00,21 nous rattrape. On arrive en pleine pandémie, crise sanitaire. Comment vous gérez cette onde de choc de la COVID-19 qui nous tombe dessus? Parce que là, on ne parle plus de malaria, on ne parle plus de sida. Là, on parle maintenant du coronavirus. Est-ce que vous êtes prêt? Alors oui, en 2010, 2019, fin 2019, c'était en Chine et le Congo, ça a été, le premier cas a été détecté en mars 2020. Oui, nous étions prêts parce que justement, je suis biologiste moléculaire donc de formation et donc ce qui veut dire qu'on avait des laboratoires de biologie moléculaire. Et pour le diagnostic de la COVID, cette fameuse PCR que tout le monde utilise, c'est notre outil de base en biologie moléculaire. Ce qui veut dire que mes équipes étaient prêtes à répondre. Et donc, immédiatement, notre institution a accompagné le gouvernement congolais dans le diagnostic aux côtés du Laboratoire national de santé publique, dans le diagnostic de l'infection. Ça a été une chose. Deuxièmement, jusqu'à ce jour, notre laboratoire a été le seul à décrire les variants de SARS-CoV-2 qui circulaient au Congo. Et donc, on a décrit ce fameux variant dit congolais, qui avait été décrit et publié par les jeunes chercheurs de la Fondation très rapidement, parce que on a vu arriver les fameux variants Delta, Omicron, etc. Donc, nous avons pu apporter notre contribution à la réponse. Ensuite, une autre contribution importante, on a pu décrire presque en temps réel la mise en place de cette immunité collective dans la population. Et juste pour information, ce sont nos jeunes étudiants et étudiantes congolais qui ont travaillé au laboratoire vraiment d'arrache-pied pendant toute cette période de pandémie pour pouvoir apporter toutes ces informations qui étaient évidemment transmises immédiatement au ministère de la Santé. Professeur, où a été séquencé le variant congolais? Dans notre laboratoire, à la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Et est-ce qu'il y a une reconnaissance au niveau local aujourd'hui pour la découverte de ce variant? Parce que ça reste une découverte scientifique. Non. Non, pas particulièrement, non. Aujourd'hui, en termes de réponse, de riposte face à la COVID-19, quel a été votre rôle aujourd'hui, hormis la détection des différents variants qui étaient sur place? Est-ce qu'il y avait une relation directe avec la task force, notamment gouvernementale, qui était là, pour savoir quelles étaient les pistes thérapeutiques? Oui, à titre personnel, j'étais dans, oui, dans un comité important, le comité des experts, oui, dans le cadre de la riposte à la COVID-19. On parle de traitement
Curieusement, pendant la pandémie, on se rend compte que les frontières sont fermées, on ne peut plus circuler et on doit trouver les moyens de guérir de cette maladie qui vient de Chine, qui vient de ces trous d'où. Je me dis personnellement, professeur, pourquoi la piste thérapeutique de nos plantes médicinales n'a pas été plébiscitée ou plus mise en valeur que d'autres? Sachant qu'aujourd'hui, nous avons le quinquilibat qui soigne, ça a été prouvé, la malaria et d'autres plantes au niveau local. Pourquoi on n'a pas eu la plante mystère pour la COVID-19? Plante magique. Bah, tout simplement parce que la recherche ne s'improvise pas. On ne se lève pas un matin, on n'a pas mis l'infrastructure, on n'a pas formé les gens et on ne leur demande pas du jour au lendemain, faites-nous un médicament, ce n'est pas possible. La recherche ne fonctionne pas comme ça. Les plantes médicinales, vous savez, tous les médicaments, les trois quarts des médicaments, la base, ce sont les plantes, c'est la nature qui indique la voie du traitement. Et après, l'industrie pharmaceutique fait la composition chimique de la molécule est efficace. Donc, tout nous vient de la nature. L'homme n'invente pas grand-chose. Beaucoup d'informations viennent de la nature en ce qui concerne les traitements. Mais ce n'est pas en une année, ce n'est pas en 2 ans. Donc, on n'a pas mis en place les compétences pour faire des essais cliniques. On n'a pas mis en place les compétences pour faire des médicaments suivant les bonnes pratiques de production d'un médicament. Et les frontières fermées, en quelques mois, en un an, on va fabriquer. Soyons sérieux, soyons sérieux. On peut pas, c'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Si on avait investi dans la filière production de médicaments à partir de plantes médicinales ou les phytomédicaments. Donc, toutes les compétences sont disponibles. Les plateaux techniques sont disponibles. À ce moment-là, il arrive, on a un besoin. Cela va beaucoup plus vite et chacun sait exactement quelles sont les différentes étapes. Et encore une fois, à la fin, on a un produit qui peut être donné à la population. Sinon, je me lève un matin et puis je fais ma soupe dans ma salle de bain et je vous dis que ça marche et vous allez le prendre. On est sérieux là quand on fait ça? J'ai presque envie de dire, il y en a sur place aujourd'hui la compétition avec les petits charlatans, on va dire locaux, qui ont pignon sur rue et malheureusement qui font plus de dégâts, qui font beaucoup de dégâts, pas plus de dégâts, qui font beaucoup de dégâts. Et l'État n'a presque pas de contrôle sur. Mais encore une fois, la science ne s'improvise pas et les plantes médicinales, c'est une recherche extrêmement sérieuse qu'il ne faut pas dévaloriser. En demandant cela, en si peu de temps, on dévalorise le travail de ceux qui travaillent dans la valorisation des plantes médicinales. Mais c'est très sérieux, mais ça répond à. Il faut plusieurs process pour arriver au bout de ces produits. En Afrique de l'Ouest, par exemple, au Nigeria, au Mali, ils ont une grande expérience dans la valorisation donc des plantes médicinales jusqu'aux phytomédicaments. Mais nous, avons-nous cette expertise? Non. Donc, cela se construit. Peut-être, si vous me permettez, dans les leçons tirées de la COVID, parce que on a vécu tous une pandémie difficile, mais je pense qu'il faudrait qu'on en tire les leçons. Et dans les leçons, peut-être qu'il faudrait mettre en place, investir dans les pays intéressés pour que la plante des phytos, la valorisation des plantes soit. Voilà, une filière de recherche pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Un point sur le paludisme, professeur, sur vos travaux. Est-ce que nous sommes en train d'avancer? Est-ce qu'il y aura bientôt un vaccin congolais? Alors moi, je vais sur des grandes ambitions. Hein. J'ai le professeur devant moi. Alors je me dis, est-ce qu'on aura un vaccin bientôt? Moi, ce n'est pas mon ambition. Mon ambition n'est pas d'avoir un vaccin congolais. La maladie, ce n'est pas qu'une maladie congolaise, c'est une maladie du continent africain. Donc, c'est une collaboration avec les collègues africains
Et dans ce domaine, chacun apporte sa compétence. Il y a deux vaccins qui sont bien avancés, le RTSS ou le Mosquirix, celui qui a été déjà validé par l'OMS pour être déployé, mais qui n'a que 30% d'efficacité. Donc je suis désolée, mais ce n'est pas le vaccin. Et puis, le R21 qui est en cours de développement, mais là aussi qui est encore en phase 2 de développement clinique. Et donc, on verra la suite si c'est un meilleur vaccin. Donc, nous collaborons évidemment parce que lorsque un vaccin, le vaccin du paludisme, il y a des différents, il y a un certain nombre de vaccins qui sont en phase 1, mais qui ne vont pas plus loin, manque de financement. Ils doivent être testés dans différentes populations et testées de manière rigoureuse. Donc, c'est là où peut-être les équipes du Congo peuvent contribuer. Mais mon laboratoire n'a pas les compétences pour pouvoir dire qu'on va élaborer un vaccin. Non, et puis ce n'est pas notre ambition, c'est travailler. L'équipe de Tübingen dans laquelle je suis, eux aussi sont impliqués dans un vaccin qui est aussi très avancé, mais qui sera probablement mis à la disposition des voyageurs. Moi, mon intérêt n'est je ne cherche pas de vaccin pour les voyageurs, je cherche un vaccin pour nos Les enfants populations. qui meurent, pour les femmes enceintes qui meurent du paludisme. Mais il y a des pistes. Professeur, à titre d'information, par curiosité, est-ce que nos systèmes de veille ou de surveillance se sont rendus compte, par exemple, au cours de la période de la pandémie 2020-2021, est-ce que par rapport à la COVID-19, le taux de personnes malades atteintes du paludisme était plus élevé ou Alors, Y avait-il une corroboration entre l'affection de COVID-19 et le paludisme? absolument, il y a eu un joli rapport du programme, je crois que c'est le Programme national de lutte contre le paludisme, qui a très bien montré que pendant la pandémie, il y a les courbes avant la pandémie et au cours de la pandémie à Pointe-Noire et à Brazzaville, et le nombre de cas avait terriblement chuté au moment de la pandémie. Évidemment que ça ne veut pas dire que le paludisme était éradiqué ou était. Non, tout simplement, ben, on ne voyait plus les patients et donc ils ne pouvaient plus être. Les services de surveillance ne pouvaient plus voilà, noter de manière juste le nombre. Donc, non, la pandémie n'a pas. Le nombre de cas de paludisme n'a pas diminué pendant la pandémie, mais suivant les pays, mais dans notre pays, il n'a pas eu un impact aussi sévère que l'on avait craint avant la pandémie. À votre avis, professeur, c'est dû à quoi? Parce qu'il y a plusieurs hypothèses qui disent nous sommes souvent sous médicaments Ah, contre le paludisme, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas eu de population gravement atteinte de cas Ah. sévères de pandémie. Est-ce que vous croyez à cette hypothèse? Non, pas du Ou tout. parce que les gens n'ont tout simplement pas été testés, ou les tests étaient insuffisants? Cela a été une hypothèse, mais le nombre. Bon, là, les données sont pas contradictoires, sont différentes suivant les pays. Il y a des pays où il semblerait que le nombre de morts n'ait pas été bien rapporté et que en fait il y a eu beaucoup plus de morts de la COVID que l'on a bien voulu le dire dans certains pays africains. Toujours est-il que bon en échangeant avec beaucoup de scientifiques et en regardant les chiffres quand même des morgues, l'impact ne semble pas avoir été aussi important que dans le Nord en ce qui concerne la mortalité due à la COVID. Cela est quand même très nettement ressorti. Maintenant,
Qu'est-ce qui l'explique? Comme on l'a dit, la jeunesse de la population, déjà, la population africaine, la population congolaise est extrêmement jeune. Ensuite, l'immunité. Qu'est-ce que l'on constate? On avait un coronavirus et que les coronavirus, on vit avec C'est devenu depuis comme une des. grippe, hein, une petite grippe. Ensuite, il y a un grand porteur de réservoirs de coronavirus que sont les chauves-souris. Et les chauves-souris, nous cohabitons avec, nous les mangeons. Et donc, très probablement, beaucoup de scientifiques et nous, on a publié dessus avec l'IRD, avec des collègues, où on montrait que, il y avait une réaction croisée, donc puisqu'on reconnaissait certains coronavirus, SARS-CoV-2, on avait une certaine reconnaissance de SARS-CoV-2 qui permettait d'amoindrir, de contrôler peut-être de meilleure manière l'infection. Professeur, notre échange arrive à sa fin. Un mot sur le VIH. Je ne travaille pas beaucoup sur le VIH. Est-ce que vous avez des dernières données au niveau... Non, là, comme ça, là, c'est une question piège, là. Je vous donnerai des Dépêchez le chiffres professeur, faux. on reviendra. Différents traitements sur le paludisme actuellement, ça n'a pas changé sur Les les dernières. traitements, ce sont des traitements à base de, les combinaisons à base d'artémisinine, bon, qui marchent encore très très bien dans nos pays, absolument. Mais là aussi, il a été rapporté un début de résistance au Rwanda, en Ouganda. Donc, il faut que l'on protège nos médicaments. Et donc, en fin de cette interview, je dirais que si on veut protéger nos médicaments, il faudrait arrêter l'automédication et ne prendre d'antipaludis que lorsque l'on a fait un diagnostic et pas lorsque on estime que l'on a le paludisme. Parce que là, on expose la drogue aux parasites qui, à ce moment, met en place des mécanismes, De quand il le voit, résistance. voilà, des mécanismes de résistance. Donc là, il faut vraiment qu'on protège nos combinaisons, parce que si elles ne fonctionnent plus, nous serons tous très, très embêtés. Professeur, une dernière question. Où trouver vos travaux? Où est-ce qu'on peut avoir accès à vos travaux, vos publications? Alors, nos publications sont publiées dans différents journaux scientifiques. PubMed, Oui, Science. vous allez dans PubMed, vous pourrez apprécier les publications de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Et justement, vous avez beaucoup parlé de SARS-CoV-2, de la COVID-19. Nous avons une publication dans Science, The Top, et avec nos jeunes Congolais, donc j'aime à le dire que ce sont donc deux jeunes Congolais qui vont soutenir leur thèse de doctorat à l'université Marien Ngouabi avec une publication dans Science. Comme vous le savez, c'est le rêve de tout étudiant dans le monde. Donc voilà. Donc il s'agissait donc de la description des génotypes, des souches qui circulaient donc de SARS-CoV-2 pendant la pandémie. Donc c'est une grosse étude justement qui a été faite avec les Sud-Africains et les scientifiques, beaucoup d'autres scientifiques africains, un travail colossal pendant la pandémie. Et un des points aussi que je voudrais souligner de cette pandémie, c'est qu'elle nous a permis de collaborer de manière efficace entre nous, entre scientifiques africains, qui aboutit à cette publication dans Science. Mais là, nos publications, nous avons publié dans différents journaux, dans Nature et dans les meilleurs journaux scientifiques. Vous allez dans PubMed et vous les verrez. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie de Merci à vous l'invitation. tous qui nous avez suivis sur Zenith TV, la chaîne au cœur des diasporas. Merci au professeur Antoumi qui a accepté de venir sur les plateaux de Zenith TV, prendre le temps de nous parler de science, de nous parler des femmes, de nous parler aussi d'actualité. Merci, professeur. Merci pour l'invitation. Ce fut un plaisir. Merci. Plaisir partagé. Au revoir.